Les pom-pom girls sont là, ces belles filles venues d'outre-Atlantique pour remonter le moral des spectateurs. Et regardez The Duke qui arrive du ciel avec les deux meilleurs freestylers au monde. Il y en a un que vous avez vu tout à l'heure, c'est Mr. Stratosphere, Brian Blizer. Et l'autre, c'est Matt Hoffman. Il prend son pied, le speaker, dans cette compétition sponsorisée par Reebok. Je crois pas que le public comprend ce qu'il dit, mais en fait, c'est dans la manière de le dire. Et regardez, c'est fantastique. Brian Blizer, Matt Hoffman, les deux meilleurs freestylers en bicross au monde. Ils sont venus à Paris. Regardez, on passe d'un banc à l'autre. Équilibre sur le... Vous savez comment ça s'appelle cette figure de passer d'un banc à l'autre? Ça s'appelle Over the Canyon. C'est du hard rock. Brian Blizer que vous avez vu tout à l'heure pour le Mega Prix et qui est revenu à Paris pour le B-Cross. Ah, ils sont passionnés, ils adorent Paris car Brian Blizer est un fan de musée. Regardez un 540, super Brian Blizer. Car on le disait tout à l'heure, ces pilotes sont plus ou moins des poètes et Brian Blizer lui est un fan de musée. Il a profité de son passage à Paris pour visiter notamment le Louvre. Deux ensemble, Brian Blizer, Matt Hoffman et hop là. Ah oui, changement de côté, superbe. Vous allez voir, pour terminer cette compétition, Brian Blizer va effectuer pour la première fois au monde 4 540 d'affilée. Pour l'instant, il s'échauffe. Voilà, superbe un passage au-dessus du guidon. Ah, ils maîtrisent complètement leur art. Brian Blizer, Matt Hoffman, c'est fantastique. Ils arrivent à faire deux figures dans le même saut, qui est unique au monde. Sans pied, sans main. No foot, no hand. Matt Hoffman. Et hop, voilà, The Duke qui a changé de tenue. Il a quitté son smoking blanc pour une combinaison couleur californienne. Un chanteur de rock que ce speaker. Le Duke qui vient de Los Angeles, c'est lui qui anime la plupart des compétitions de freestyle aux États-Unis. Il n'avait pas pu venir pour le Mega Prix, mais il a tenu absolument pour cette compétition de B-Cross. Il n'a rien à envoyer à AC/DC. Et regardez un 540. Hop là, superbe Matt Hoffman. Trucage de la soirée, dernier exploit de cette soirée à Bercy. Et vous allez voir, 4 540 vont être effectués par Brian Blizer d'affilée. C'est parti! Brian Blizer qui prend son élan. Et premier 540. Deuxième 540. Troisième 540. Et quatrième et dernier 540, nouveau record du monde réussi par Brian Blizer, fantastique pilote américain. Salut qui salue dans la voiture, mais regardez ce qu'on arrive à faire. On va tenter le super... Voilà, c'est raté pour cette fois-ci. Et ne vous y détrompez pas, ce n'est pas facile de téléguider ces voitures et leur faire... Regardez,
superbe retourné arrière et il faut couper les moteurs au sommet de la course. Voilà, c'est